Alors que Marvel se lance dans la phase 1, le premier film ayant retracé les origines du personnage et n'est... Oh, laisse tomber, si c'est pour le faire comme ça... Après avoir passé 4 ans sur la phase 1 en 6 films, la phase 2 en a fait autant en 3 ans, la phase 3 prévoit de faire 10 films par an... Et pour cause, après avoir passé 4 ans sur la phase 1 en 4 films... Et pour cause, après avoir passé 4 ans sur la phase 1 en 6 films, la phase 2 en a fait autant en 2... en 3 ans... Tous ces chiffres, c'est compliqué. Si quelques adaptations de comics sont marchées au début des... années 90, pourquoi au début ? Ces licences étaient extrêmement confidentielles et peu de gens aujourd'hui encore ignorent... Et là, on va marquer un premier point important. Le comics est une forme d'art à part entière, au même titre que le cinéma, la peinture, la sculpture, Captain America est présumé mort, Bruce Banner est une catastrophe ambulante incontrôlable et en fuite, Captain America est présumé mort, Bruce Banner est une co... Ah, j'en étais sûr. Ah oui, puis un placement produit mensonger en plus. L'incroyable Hulk, le film recyclé. Vous prenez les restes du film d'Edward... L'incroyable Hulk, le film recyclé. Vous prenez les restes du film de Ang Lee, vous les faites passer dans la machine de Blockbuster Live. L'incroyable... Ce sont des stocks de bruitage pour des situations... On se branle de la vie de Captain America. Postillon. Merde. Ne fais pas le con. Je parle au micro. Alors là, les fans de comics ont gueulé. En effet, toutes les bandes... Alors là, toutes les... 1, 2, 3, 4. Mais il faut y prêter attention, puisque Joe et Anthony Russo, les réalisateurs, seront en charge de Civil War et de ma... Merde. Bon, tout ça n'est pas très folichon, donc forcément, quand Civil... Merde. Bon, tout ça n'est pas très folichon, donc forcément, quand Captain America 2 est arrivé, j'étais pas forcément... Bon, tout ça n'est pas très folichon, donc quand Captain... Mais il faut y prêter attention, puisque Joe et Anthony Russo, les deux réalisateurs, seront en charge de Civil War et de Cap... Et d'Avengers 3, merde. Bon, tout ça n'est pas très folichon, donc forcément, quand Captain America est... Si Dieu existe, puisse-t-il avoir pitié de nos âmes? Allô? Putain. Bon, tout ça n'est pas très folichon, donc quand le nouveau Captain America est arrivé, j'étais pas forcément en train de danser sur place. Putain. Excusez-moi, mais dans le cinéma, ça faisait 30 ans qu'on avait compris que les nazis c'était ringard et qu'ils faisaient ça au gros délire, genre Iron Sky ou Indiana Jones 4. Je crois que j'ai bouffé les 3/4 des syllabes. Et quand la phase 1 a fait des efforts de crédibilité pour rehausser le niveau, à part peut-être l'incroyable Hulk, c'est quand même con de foutre ça derrière un moment avec un truc aussi débile. Un univers étendu doit rester une extension. Se focaliser sur des personnages et des intrigues... Eh ben si. Se focaliser sur des intrigues et des personnages secondaires. Se focaliser sur des personnages et des intrigues secondaires, ok, mais si un problème est introduit dans un film, il doit être réduit... C'est un raton laveur, putain! Un raton laveur! Vous êtes beau, ça. On va commencer par... Je hais ce film! Je déteste cette daube! Il y a un putain de raton laveur qui parle dans l'espace! C'est comme si je voulais sortir des ir... Merde. Et c'est là que nous allons passer à Thor, un héros avec lequel j'ai... C'est juste le début, toujours. Attends, je crois que le micro est parti, attends. Ça va? Non, il faut. C'est bon. Très bien. Tu ne sens plus, il commence à faire partie de toi. Toi, t'es vraiment un fouteur de merde professionnel. Je plaide coupable. J'étais complètement bord cadre. Ouais, c'est moi qui n'allais pas du tout. Pourquoi j'ai crié surtout? Ah, par contre, je crois que... Ah oui. Remets-toi le fil autour du pied. Coupé.